Mes amis scorpions, un plaisir de se retrouver pour ce taroscope d'août 2024, après quelques semaines d'absence, un peu contrainte et forcée, puis involontaire aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux de procéder à ce tirage qui concerne les natives et natifs scorpions en signe solaire, qui s'adresse aussi aux ascendants scorpions et aux scorpions en signe lunaire. Ça reste quand même un tirage global, tout ne va pas parler à tout le monde de la même façon, il se peut même que ça ne vous parle pas du tout. C'est normal, dans ce cas-là, regardez ce qui se passe pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous voulez étoffer et compléter ce tirage. Et on démarre tout de suite avec un premier arcane majeur pour nous donner le ton de ce mois d'août pour vous, mes scorpions. Je suis très très heureux d'être sur les ondes à nouveau et procéder au tirage, ça m'a manqué pendant ces quelques semaines. On a pour vous la tour. Ok. Que j'ai un autre paquet, les amoureux. Bon. Alors je pense que sur ce mois d'août, que vous soyez au travail, que vous soyez en vacances, il y a une question de ne plus laisser une situation telle qu'elle. C'est soit faire face aux imprévus, j'allais dire presque en vidant son sac, soit provoquer les imprévus soi-même, en se disant, si j'ai le choix entre deux options, je vais prendre l'option qui va m'apporter peut-être le plus de feux d'artifice, au sens où je pense qu'on a besoin de stabiliser quelque chose, vous avez besoin de stabiliser quelque chose, vous avez besoin de faire casser, de faire exploser, de faire péter aussi une ou plusieurs formes de faux semblants dans votre existence. Et de faire sortir une forme de pression, d'aller retrouver une forme d'authenticité, peut-être en jouant carte sur table, en disant ces quatre vérités, en posant un petit peu des bombes, en faisant badass, en laissant des remarques un petit peu cinglantes, qui vont nécessairement aller titiller l'autre, mais qui vont vous amener sur des terrains de discussion sur lesquels vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, dire le fond de vos pensées, dire vos quatre vérités, sans faux semblant. Sans faux semblants, sans nécessairement beaucoup de diplomatie aussi. Après, c'est ce que les cartes disent, hein, à voir si vous avez envie d'arrondir les angles. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une frontière qui a été dépassée. Je pense qu'il y a un seuil qui a été franchi sur lequel ce qui pouvait être de l'ordre de l'échange, de l'ordre de la discussion... sur lequel on pouvait arbitrer un petit peu de façon diplomatique, je pense que là, vous en avez ras-le-bol. Je pense que vous avez juste envie de retrouver, un peu comme un orage d'été, hein. Vous avez envie que ça pète une bonne fois pour toutes, que la pluie tombe, que ça remouille le sol, que ça sente le terpsichore, et puis qu'après, ben, on reparte un petit peu de zéro, parce que tout le monde sera, alors peut-être pas nécessairement apaisé, mais au moins tout le monde sera trempé, aura été refroidi, se sera pris sa bonne douche froide, vous la première, vous le premier, et peut-être que ça va faire du bien. Et qu'en vous disant, de toute façon, si ça gâche le mois d'août, si vous gardez les choses sur le cœur, hein, ça va vous le gâcher de toute façon. Si vous explosez, peut-être que ça gâchera aussi le mois d'août d'autres personnes, mais après tout, si c'est pour repartir après sur des bases un petit peu plus saines, pourquoi pas. Hop, j'ai la carte du silence qui s'est retourné. J'ai la carte de la neige qui s'est retournée, qui est sortie toute seule. Et la carte du silence à l'envers, pour moi, il y a vraiment la nécessité, le besoin, ce besoin viscéral de parler de quelque chose, de mettre une discussion qui vous tient à cœur au grand jour. On n'arrive plus à se taire par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une pression au travail, ça peut être par rapport à une pression en famille, ça peut être une histoire de charge mentale. Ça peut être une histoire de relation à deux qui tourne mal. On verra un petit peu plus tard avec les tirages sentimentaux si tel est le cas ou pas. Ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même face à son miroir. Peut-être qu'on est en train de se faire son propre procès. Peut-être qu'il y a une partie de vous que vous ne supportez plus. Et que vous êtes en train de restaurer. Peut-être qu'il y a une forme de double polarité, j'ai pas envie de parler de bipolarité, ça fait tout de suite
médicale. Il y a une forme de double polarité chez vous. Il y en a un qui tire à gauche, une autre partie de vous qui tire à droite. Je voudrais bien quitter mon boulot. Oui, mais si tu quittes ton boulot, on va vivre comment? On va vivre de quoi? Je voudrais bien quitter cette personne que je ne supporte plus. Oui, mais tu sais très bien que quand tu te retrouves seul, tu pètes un câble. Donc il y a peut-être une histoire aussi de dualité, de comportemental, que ce soit au boulot, que ce soit amical, familial. Voilà, je m'entends bien avec une machine, on se connaît depuis le CE1, mais tu vois très bien que c'est quelqu'un qui t'exploite, qui est perverse, qui ne fait que de profiter de toi. Donc il y a une question de passer à son propre tribunal aussi, hein, pour régler un petit peu les différends que vous avez avec vous-même. Un tirage, il est très général, il peut parler de... Il peut parler de relations avec les autres, il peut parler de relations avec vous-même. Je vais en prendre une deuxième là. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Oui. Et oui, il y a une... Il y a du monde dans votre tête, hein. Il y a du monde dans votre tête. En d'autres paquets, j'ai la fureur, j'ai le feu de brousse. Et j'ai la carte du soleil. Donc, je pense que pour moi, c'est imminent. C'est imminent. C'est peut-être le. Il y aura peut-être les bonnes circonstances aussi pour le pétage de plomb organisé. Mais je pense qu'il y a énormément de gens dans votre tête. Si vous leur faites payer un loyer, vous allez devenir millionnaire. Je pense qu'il y a une question sur ce mois d'août, vraiment d'aller vider son sac. Il y a un trop-plein. Il y a une forme de trop-plein. Il y a une forme de trop-plein qui a purgé. Je pense que vous avez atteint le point de non-retour par rapport à une situation. Et il serait bon de faire un petit peu de table rase. Voilà, pour repartir après sur quelque chose de beaucoup plus unifié, de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus authentique. Mais ça ne sera pas une question d'arrêter de se mentir, mais ce sera une question d'arrêter de se taire. D'arrêter de se taire. Je pense que vous en avez beaucoup sur le paletot et que il est temps de faire un petit peu le ménage par rapport à ça. Ok. On retrouve. On retrouve la carte des amoureux et l'étoile. Super. Super. Donc je pense que cet orage d'été va vous faire du bien. Va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de faire le ménage aussi bien dans votre tête que dans votre carnet d'adresses au niveau relationnel. Puisque je pense qu'à la fin, vous allez pouvoir vous recentrer sur un noyau dur qui aura été là dans les bons moments, dans les mauvais moments, qui vous aura épaulé, qui vous aura supporté, dans le sens on porte quelqu'un, hein, pas dans le sens on supporte alors que ça prend la tête. Et j'entends aussi que sur ce mois d'août, vous avez quand même l'intuition profonde que vous vous êtes tapé quasiment le chemin de Compostelle dans des chaussures qui étaient à deux pointures en dessous de la vôtre. Que vous arrivez quand même à savoir de manière extrêmement intuitive, extrêmement connectée, si la personne qui est en face de vous est en train de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, pour une CO2NE ou un CON, et que vous allez être capable de distinguer les bonimenteurs, les beaux parleurs, des gens qui vous font des propositions qui pourraient être insensées, mais qui finalement sont réalistes, réalisables. Je pense que vous allez savoir qui va être de votre côté. Alors, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, me dit-on, mais je pense qu'à la fin du mois d'août, vous allez être vraiment nettoyé de quelque chose. Ah, il y a une question de faire tabula rasa sur ce mois d'août pour repartir sur des énergies saines sur la rentrée, avec des gens sur qui vous pouvez compter, avec une capacité de décoder le comportement des autres pour savoir si c'est du lard ou du cochon. Je pense que vous savez très bien que vous vous êtes enfermé, hein, peut-être volontairement, dans une zone de confort.
ce que je vous disais, j'entends qu'il y a une forme de pression hein, sur laquelle vous n'arriviez pas à sortir ou sur laquelle vous avez encore du mal à sortir. Et comme cette pression, hein, vous n'arrivez pas à l'évacuer de façon douce, de façon continue, de façon sereine, je pense qu'il y a une question où il y a une question de faire, d'accepter que la cocotte minute pète à un moment. Et j'allais dire, tant pis si ça explose, on nettoiera les murs. On nettoiera les murs après la crise, quoi. Chez nous, on dit on comptera les bouses après la foire, mais vous avez très bien compris de quoi je parle. Laissez-moi un témoignage, tiens, d'ailleurs, pour savoir comment ça fait écho avec votre histoire. Et je pense que là où c'était tendu, pour ce qui était en termes de choix, vous allez pouvoir reprendre la gestion de cette dualité aussi que vous pouvez avoir avec les autres, avec l'autre ou vis-à-vis de vous-même, mais de façon beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée à la fin du mois. Ça peut être aussi une histoire d'imprévu hein, qui vient vous provoquer, hein, qui vient vous titiller, etc. C'est peut-être pas vous qui allez titiller l'autre ou les autres, hein, c'est peut-être les imprévus de ce courant août qui va vous venir vous chercher dans vos derniers retranchements. Et j'entends même qu'il y en a certaines et certains qui vont tenir le mort aux dents en se disant tant pis, hein, on va faire le dos rond jusqu'à ce que ça passe, mais en fait ça passera pas, vous finirez tôt ou tard par péter. Et assainir la situation. Ce qui, en soi, n'est pas un mal. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a côté cœur ? Alors, je vais faire deux tirages, un tirage célibataire. Parce que comme on est au mois d'août, et que la plupart d'entre vous est en congé, je voulais savoir ce qui se passe en termes de rencontres. Pour ce qu'il en est. Donc, un premier tirage, un scorpion célibataire, qu'est-ce qu'on a à dire ? C'est peut-être pas nécessairement par le biais de la colère que tout ça va se manifester. On vous connaît, vous n'êtes pas des lions, bien au contraire, vous pouvez être, ça peut être extrêmement, extrêmement glacé, extrêmement cynique. Sans effusion. Ça peut être très clair, très direct, sans ambiguïté. Mais sans nécessairement une forme d'effusion. L'effusion, vous êtes en train de la gérer à l'intérieur, là. Une espèce de volcan qui boue. Alors, scorpion célibataire, hein, j'ai le pendu, ben tu m'étonnes. Je ne suis pas certain qu'on soit nécessairement dans des énergies pour rencontrer quelqu'un. On est plutôt dans l'attente de quelque chose. Peut-être dans l'attente d'une résolution, d'une situation qui est inconfortable. Peut-être qu'on est... peut-être qu'aussi on est en vacances dans la famille et qu'on est peut-être enclin à régler ce problème-là. Mais peut-être que ce problème de situation qui a besoin d'exploser, là, qui a besoin d'être mis à jour, hein, qui a besoin de se dissoudre, qui a besoin d'être résolu, peut-être que ça se passe en famille, hein, qui sait. Hein. Et oui, on attend. On attend, on aimerait bien se lancer, mais au bout d'un moment, ça tourne au pugilat. C'est un peu, vous êtes peut-être aussi, certaines et certains, en train de réaliser à quel point vous pouvez fonctionner, si vous êtes célibataire, avec la méthode de ce qu'on appelle le lit qui pique. C'est « je t'aime, je te charrie, je t'aime, je te pousse à bout, tu me plais, je vais pas te le faire savoir. Tu me plais, donc je vais t'embêter au maximum. Tu me plais, donc tu me portes sur les nerfs. Ou tu me portes sur les nerfs, donc tu me plais. Il y a peut-être aussi... C'est peut-être aussi en lien, là, avec cette espèce de dualité, hein, cette espèce de part de vous hein, qui tire à gauche pendant que l'autre tire à droite. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que effectivement, rien ne se passe aussi bien au plus marque avec quelqu'un qui vous insupporte, en fait, à côté. C'est un peu le lit qui pique, et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous fonctionnez comme ça, ou que si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez, c'est parce que vous fonctionnez comme ça. Ça peut être aussi garder quelqu'un sous surveillance. Parce que vous pensez être seul dans l'histoire, mais vous n'êtes pas seul dans l'histoire.
Et que ce mois d'août, hein, si vous êtes célibataire, hein, c'est plus sur le... C'est plus sur la résolution de ce blocage-là que vous allez mettre de l'énergie, hein, plutôt que sur la rencontre, hein, ou l'amour de vacances. Ou Après, ça n'empêche pas de se faire des beaux souvenirs, mais vous savez très bien que c'est quelqu'un que vous supporteriez pas à partir du 1er septembre. Hein. Enfin, bon, à partir du 1er septembre, à partir de la rentrée, dans le quotidien. Voilà, les amours de vacances, hein, ça fait jamais de. Ça fait rarement des bons conjoints. Scorpion, si vous êtes à deux, officiel, officieux, hein, si vous êtes en couple, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous avez quelqu'un dans votre tête. Hein. Oh la vache. Bon, ben, c'est votre carte. Vous êtes peut-être en train de conscientiser que des choses ont énormément changé au sein de votre relation. Alors, c'est pas une question de ça vous correspond plus ou ça vous correspond encore, hein, c'est une question que ce qui est passé est passé. Il y avait une ancienne manière de fonctionner qui vous plaisait, qui ne vous plaisait pas. Alors, pour info, j'ai déménagé, j'habite sur une artère qui est hyper passante. Et alors là, aujourd'hui, je pense que c'est le festival des noyés. Parce que ça doit être la 7e ou la 8e que j'entends depuis que j'ai fait le début des tirages. Où est-ce que j'en étais? Il y a peut-être, oui, il y a peut-être une question d'aller recouper les indices là dans votre relation à deux sur le fait que on est très loin des débuts, on est très loin de ce qui vous plaisait, on est très loin de ou même vous-même vous avez changé, c'est l'autre qui a changé, mais ça peut être vous qui avez changé aussi. Il y a une question d'aller regarder la réalité en face, une question d'aller communiquer dessus. De plus tourner le dos, hein, par rapport aux indices, hein, que le quotidien est en train de vous laisser, hein, tout le courant de ce mois d'août, hein, par rapport à cette relation qui est en train de s'enliser, qui est en train de se modifier. Alors je dis pas qu'elle est en train de se dégrader, hein, je dis juste qu'elle est en train de changer et que ce changement ne vous plaît pas. Alors, message hyper particulier, qui va pas parler à tout le monde. J'entends que pour certaines et certains, ça y est, vous êtes en train d'acter, quelque chose qui se termine. Et il peut y avoir une prise de tête, ou bien un engagement de procédure, hein, par rapport à une garde d'enfant, à l'issue de cette séparation. Et il y a une question que vous n'avez pas le contrôle dessus et que pour le moment, vous ne savez pas encore, hein, si c'est un mal pour un bien ou vous ne savez pas si vous allez morfler par rapport à ça. Vous ne connaissez pas ce qui va. Ce qui va déboucher de tout cela parce que évidemment, ça va prendre du temps, c'est trop frais, c'est pas sur le courant août. On vous demande de prendre le temps. De prendre le temps de deux choses. D'abord de réapprendre à vivre pour vous, puisque c'est la priorité, et puis ensuite de savoir, hein, que sur les prochaines semaines, vous allez engager un petit peu des efforts, hein, par rapport à cette nouvelle façon de vivre, à ce nouveau quotidien qui va s'installer. Hein. Mais pour le moment, sur ce mois d'août, il y a vraiment une question d'acter, hein, une forme de cassure, une forme de rupture. Mais c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, c'est quelque chose qui ne vous convenait plus. Et cette question d'arbitrer entre avant ça me faisait mal, mais au moins j'avais le contrôle de ce qui se faisait, et une nouvelle situation, hein, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, sur laquelle il n'y a absolument rien qui est dessiné, il n'y a rien qui est gravé, il n'y a rien qui est écrit, mais sur laquelle il y a une forme de soulagement qui est en train de se faire jour et de se manifester. Merci les scorpions de votre présence, de votre fidélité. Merci du pouce que vous laissez. Merci du commentaire, hein, que vous écrivez, hein, en dessous de la vidéo. Merci de votre patience aussi, hein, sur toutes ces semaines sans tirage. Et on termine cette vidéo, hein, avec quelques conseils d'oracle.
Il va être rock'n'roll, hein, votre mois d'août, hein, en fait, hein. Ok. Une question sur qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce qui m'appartient? Je pense qu'il y a une question d'aller se concentrer sur le matériel pour une fois. De s'en tenir aux faits. Pas aux interprétations, pas aux messages, pas à la communication. Vous ne faites pas absorber par le tourbillon de la prise de tête et des communications sans fin et des prises et des querelles d'ego. Une question d'aller mesurer là le périmètre de ce que vous possédez. Je veux dire matériellement, il y a quelque chose qui est engagé dans la matière là. Vous n'êtes pas seul, hein? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Certaines et certains, on peut vous inviter aussi à repenser la place que vous occupez au sein d'un groupe de personnes qui fait votre quotidien. Alors évidemment, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être le couple, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une paroisse, ça peut être un club. Voilà, une question de quelle est la place que j'occupe, qu'est-ce que j'apporte, est-ce que j'ai le rôle de stabilité qu'on veut bien me donner ou que je voudrais bien occuper? J'en ai deux qui veulent venir. Donc j'ai. Je pense qu'en déverrouillant une situation, hein, vous allez vous faire un cadeau. Je pense que tout ce mois d'août, c'est un petit peu un mal pour un bien. Ouais, j'ai les nuages en dos de paquet, mais j'ai le. J'ai le nuage et la bague. On a peut-être du mal à se défaire de quelqu'un, ou se défaire d'un contrat de travail, ou se défaire d'une communauté, ou se défaire d'un mari, ou se défaire d'une famille. On a du mal à s'en défaire par esprit de loyauté, par esprit de fidélité, mais pour moi, il y a une forme de trop-plein qui a besoin d'être pété. On a besoin d'ouvrir quelque chose, on a besoin d'aller voir plus loin, d'aller voir plus large, d'aller voir plus grand, de se dire que l'herbe est nécessairement plus verte à côté, parce que sinon, hein, vous ne seriez pas dans cet état. Et en faisant ce pas supplémentaire là, en ouvrant cette porte qui était insoupçonnée, vous vous faites un cadeau. Bon, finalement, tout ça reste positif, positif à terme. Il y a une espèce de goulot d'étranglement sur le mois d'août. Vous allez le passer. Vous me tiendrez au courant de comment tout ça s'est incarné dans votre vie. Nous, on se dit à très très bientôt chez Dan. Moi, je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Très très bon mois d'août, quoi qu'il en soit, mes amis scorpions. Et on se revoit pour la rentrée. Bye bye!